Écoutez, d'abord, c'est à l'initiative de la SMEX que cette réunion a été tenue. L'objectif étant évidemment d'approfondir le débat sur notamment toutes les mesures du projet de loi de finances. C'était également l'occasion d'élargir les discussions sur tout ce qui concerne les réformes entreprises par les pouvoirs publics, sur instruction de Sa Majesté le Roi et sur son impulsion, pour faire en sorte que le climat des affaires s'améliore, pour faire en sorte que l'acte d'investir soit plus dynamique à l'avenir. Et évidemment, nous avons eu un échange franc sur les principales dispositions. Il y avait, sur quelques points particuliers, il y avait une lecture qui méritait d'être précisée. Et je crois que nous sommes sortis avec la conviction que les mesures insérées dans le projet de loi de finances sont des mesures dont la finalité est de promouvoir l'investissement, dont la finalité est de mettre le Maroc au diapason des grandes orientations internationales pour lui permettre d'être plus compétitif à l'avenir. Et comme on est avec les exportateurs, s'adressent à un marché et ils ne peuvent pas ignorer les contraintes de ces marchés pour pouvoir continuer à développer leur présence. Et donc c'était une séance extrêmement riche. Nous nous sommes donné rendez-vous pour continuer à se voir régulièrement pour que justement ce dialogue constructives permettent évidemment de construire une plateforme pour les exportateurs qui leur permettent d'être davantage compétitifs à l'avenir. Merci.